Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo précédente que j'ai postée, à savoir un anti-haul. Là, on va parler plutôt de wishlist, donc des produits qui me tendent. J'ai été fouillée un petit peu dans ce qui allait sortir. Là, il y a des choses déjà sorties, mais j'ai été regarder des trucs qui sont pas forcément sortis ou qui sont en train de sortir. J'avais vraiment envie, en fait, d'avoir vraiment des nouveautés à vous présenter en termes de wishlist. Mais tout d'abord, avant de commencer, si jamais la vidéo vous plaît, si la chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Maintenant, j'ai décidé de publier 2 vidéos par semaine. Mais surtout, un truc hyper important, c'est que je suis beaucoup, beaucoup plus active maintenant sur Instagram. Donc si ça vous intéresse de voir l'envers du décor, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mettrai le petit nom en bas. Donc là, je poste tout ce que je reçois, les colis, des trucs que vous verrez pas forcément ici. Donc voilà, tout mon quotidien avec le make-up, les soins et tout, vraiment, je vous mets tout. Donc les colis que je commande, voilà, mes commandes, mes futurs craquages, donc vous les voyez avant. Notamment, je pense à celui que j'ai mis hier, voilà, donc ça va être très sympa, les hauls qui vont arriver sur la chaîne. Voilà, je vous mets également ce que les marques m'envoient, petit tuto make-up, enfin bref, voilà, donc là vous avez quand même pas mal de choses sur Insta, donc surtout n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que là, aujourd'hui je filme, on est lundi, et mardi, donc demain, a priori, demain ou mercredi, quand vous aurez cette vidéo, je vais vous mettre sur Insta justement quelque chose de très sympa. Vraiment très très sympa, je n'en ai pas plus, pour les personnes qui habitent à côté de Nantes. Voilà, donc je ne dis pas grand chose, mais voilà, allez voir sur Insta. Donc pour tout ce qui est de la wishlist, donc c'est parti, je vous mettrai les photos et tout, comme d'habitude. Donc j'ai regardé pas mal au niveau des sorties, j'ai vu que Maybelline allait sortir, normalement si je me plante pas, c'est pas encore sorti, allait sortir les illuminateurs, vous savez les jelly en fait, les enlumineurs en joli. Et alors ça, j'adore. J'ai testé celle de Makeup Revolution en tout premier lieu, je l'ai trouvée juste géniale. J'ai testé ensuite celle de Beauty Bay, que j'ai trouvée absolument canon. D'ailleurs, je l'ai envoyée à Elodie dans son swap que je vous mettrai en haut. Je lui ai envoyé, je trouvais que c'était vraiment super intéressant et la texture me plaît beaucoup. Là, apparemment, c'est aussi modulable. Voilà, ça vaut 10$, bon c'est les tarifs en dollars, mais voilà, ça vaut moins de 10€, c'est hyper intéressant. Et il y avait un métallique rose qui me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je pense que je craquerai sur ça. Je suis toujours à la recherche du correcteur parfait. J'ai fait une commande que donc vous avez vue sur Insta, voilà, où j'ai acheté un concealer. Et en fait, je ne sais pas, enfin voilà, je vais le recevoir probablement très rapidement, vu que j'ai fait une énorme commande, là, vous avez le truc express et tout, donc normalement je devrais le recevoir cette semaine, mais j'ai vu que CoverGirl, j'aime bien cette marque là aussi, avait sorti, je suis en train de lire le truc, c'est le True Blend Undercover Concealer, donc il est apparemment très léger, donc lightweight comme ils disent, full coverage, donc moi c'est ça que je veux parce que, voilà, j'ai envie de dire, je n'avais même pas besoin de comprendre pourquoi j'ai besoin d'un correcteur, il faut juste regarder ma tête, voilà, et il est pas cher puisque du coup c'est 8$, donc j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal. Il est cruelty free vegan et il y a 30 teintes, donc je pense, à mon avis, que je vais trouver ma couleur, mais je trouve que c'est juste top quoi, donc j'ai trop envie d'essayer, surtout que au niveau du visuel, je le trouve super sympa. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser un peu à Sisley. Je sais pas vous, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait un peu Sisley. Je suis avec mon téléphone parce que le produit dont je vais vous parler, je veux pas vous dire de bêtises dessus. Anastasia Beverly Hills va, enfin, a et va, parce que c'est pas encore arrivé sur tous les sites, mais a juste sorti en fait, vient juste de sortir son fond de teint, donc un nouveau fond de teint, parce qu'il y avait le stick. Là, c'est le Luminous Foundation. Il me tente à fond. Pourtant, j'aime bien, en général, ce qui est légèrement mat. Là, il ne l'est pas. Qu'Elodie, c'est pas pour toi, a priori. Toi qui aimes bien quand c'est mat, mat, mat. Là, en fait, c'est vraiment un fond de teint donc, lumineux, comme son nom l'indique. Je lis le truc en même temps. Hein. Du coup, c'est couvrage... couvrage. Couvrage. Oui. C'est couvrage, tout à fait. Coverage. Donc voilà, couvrance, pardon, donc couvrance plutôt moyenne, avec un fini naturel, comme si en fait la peau était un peu gorgée de glow. Vous avez 50 teintes, je pense qu'il y aura de quoi faire. Il est vegan, il est sans gluten, il est sans parfum,
Il est sans alcool, si je comprends bien. Il est également testé cliniquement, testé dermatologiquement, ophtalmologiquement. Il n'est pas comédogène. Il va sur les peaux sensibles et il est longue tenue. Il fait 30 ml pour 38 $. Donc bon, ça fait un poil cher quand même. Mais a priori, je trouve que ça reste quand même raisonnable. Et les dates de sortie, c'est donc le 4 août sur le site d'AnastasiaMerlins.com. Donc moi j'ai été sur le UK qui livre pour l'avoir en premier et il n'était pas arrivé en fait encore. Vous avez aussi chez Ulta pour le 4 août je crois. Et sinon c'est le 15 août. Donc celui-là, autant vous dire, le 15 août, je l'achète tout de suite. Je sais pas pourquoi il me tente, je le trouve super. Alors déjà je le trouve super beau et puis bon, voilà, j'ai trop envie d'essayer un fond de teint Anastasia. Je trouve que bah moi j'aime bien Huda, j'aime bien Fenty, j'aime bien le Kat Von D, ils ont leur qualité, leurs défauts, mais j'aime bien ce style là. Donc je me dis Anastasia, j'ai envie d'essayer. Donc dans la lignée un peu logique de ce que je viens de vous dire, voilà, je vous dis que j'aime bien le Fenty, j'aime bien le Huda, enfin voilà, j'aime bien ce genre de gamme en termes de produits teint. Je trouve que c'est bien travaillé, c'est sympa. Vous allez me hurler dessus parce que il me semble que j'en avais peut-être parlé en mal ou en. Voilà, en tout cas pas terrible. De la base Fenty, ou je sais plus trop ce que j'ai dit sur cette base là, des fois j'oublie des trucs si possible. Et là en fait j'avais trop envie de tester la base Fenty, la Pro Filter Mattifying Primer. J'ai trop du mal, heureusement j'ai mon petit carnet avec les noms et tout décrit parce que franchement je sais genre. Ouais, enfin le truc qui fait mat quoi, en gros c'est ça. Donc celle-ci j'avais vraiment envie de l'essayer également. Pareil, bon, là c'est parce que c'est il y a le mariage et tout, donc je suis à la recherche du teint parfait. Clairement, c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui. D'ailleurs, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est le petit tuto Instagram avec ça là. Bref, rien à voir, mais en gros, j'ai fait que le maquillage des yeux. Et en fait, comme je suis un peu. Je me suis un peu pressée pour faire le teint, donc voilà, ça a été assez rapide. C'est le fond de teint Makeup Revolution Concealer and Define que j'ai utilisé. Bref, en gros, tout ça pour dire que je suis à la recherche du teint parfait, peut-être parce qu'il y a le mariage ou quoi, mais je cherche vraiment le fond de teint. Donc j'en achète pas mal parce qu'en fait j'ai fait un gros tri. Il y a ma petite cousine chérie qui est aux US en fait, en cours, enfin voilà. Et donc elle est revenue là pour les vacances et donc je l'ai vue. Entière. Donc j'ai fait un gros trip parce que ma cousine elle adore le make-up, donc en gros à chaque fois je lui donne plein de trucs, donc c'est génial parce que bah, ça tourne, moi je sais que c'est utilisé. Et comme elle a même pour que moi elle a un poil plus foncé, en même temps c'est pas bien compliqué, bah voilà, donc en gros il y a des fonds de teint que je lui donne, et donc là j'ai fait un petit squeeze, j'ai beaucoup moins de fonds de teint qu'avant, donc j'ai envie de tester de nouvelles choses et surtout de repartir sur des bonnes bases. Donc bref, donc en gros cette base m'intéresse, j'ai envie de voir ce que ça donne, j'ai envie de trouver. Pour l'instant en base je suis sur la Polenjo que j'aime bien, voilà, je suis sur Polenjo. Pour le mariage j'utiliserai probablement la Moonstone BK mélangée avec celle-ci et je mets la nana qui met 15 000 machins, non je l'ai même pas, je mets la base Makeup Revolution hydratante. Je mélange les deux bases que je viens de vous montrer ensemble et après j'ai le blur stick. Ça c'est vraiment ce que je vais faire pour mon teint pour le mariage, hormis le nombre incalculable de sprays que je vais mettre entre les deux. Mais en gros ce sera quelque chose un peu dans cet esprit là. Et voilà, donc elle m'intéresse. Pour vous parler d'un autre produit, donc là c'est pareil, alors il faut que je me remette le truc devant les yeux, sinon je vais pas pouvoir vous expliquer la beauté du truc. Également, j'ai vu sur la story de la loge de Gabrielle, je vous invite à la suivre si jamais vous la suivez pas, enfin, ça m'étonnerait parce qu'elle a quand même pas mal de. Elle a pas mal de monde qui la suit, mais honnêtement, c'est une fille super. Je trouve que tout ce qu'elle fait, c'est nickel, enfin bref, j'adore sa chaîne. Et elle a mis sur son compte Insta en story, elle a mis la palette. Je vais y arriver. Donc c'est Anastasia et Jackie Haina. Je ne la connais pas cette dame. Je vais la regarder. Ils ont sorti donc, ils vont sortir une palette d'ombre à paupières
pour l'automne 2019. Donc autant vous dire que je suis au taquet chez taquet. J'ai vu que Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout en avait aussi parlé. Clairement, je la trouve juste magnifique. Vous avez des tons assez neutres pourtant. Il y a des belles nacres et tout. Je trouve que c'est un bel assortiment de ce qu'elle a pu proposer en fait dans ses palettes. Sachant que la dernière, la rose pétant là, enfin celle qui est rose, la Edward, je sais plus quoi, elle, je sais pas pourquoi, elle m'a pas spécialement attirée. Pourtant, j'aime bien ce genre de couleur. Je sais pas, ça se trouve, je l'achèterai dans 6 mois. Elle me dirait, tiens, la fille qui arrive 15 ans après la bataille. Mais voilà, donc par contre, celle-ci là, la Jackie Aina, elle me tente vraiment, vraiment beaucoup. Donc a priori, vous aurez une revue dessus, je pense. Dans ma recherche du fond de teint parfait, évidemment j'ai tellement envie de fond de teint différent que ben, forcément, voilà. J'aurais pu vous mettre aussi, j'en ai pensé, mais c'est pas une nouveauté du tout, c'est le Beauty Blender. J'ai trop envie de l'essayer, le fond de teint Beauty Blender. Je sais pas pourquoi, c'est pareil, pourtant le packaging est absolument affreux. Enfin, je trouve très moche le packaging, mais je sais pas, j'ai envie d'essayer. Il me tente bien aussi celui-là. Mais là, je voulais en tout cas vous parler du fond de teint BK, qui a priori voilà, donc, est une nouveauté, va sortir probablement bientôt, parce que je pense pas qu'il soit sorti. C'est donc le Ultimate Courage, qui dure 24 heures, résistant. Et c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est une couvrance totale, donc ça, j'adore. Et il résiste à l'eau, à la transpiration et à l'humidité. Donc autant vous dire que le truc, je pense que ça résiste à tout. Donc ben voilà, j'ai envie d'essayer ça, ce serait pas mal. Je pense que BK, enfin voilà, moi j'aime bien les produits BK. Après j'avais eu beaucoup de mal avec avec ce produit-là que j'utilisais en fait en primer, je ne m'en servais que en primer et j'aimais pas, donc j'avais eu un mauvais a priori et tout. Après j'avais testé notamment le Parisian Light, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs, je vous mettrai en haut, c'est celui que Sananas avait fait avec BK. Ça m'a légèrement réconcilié, on va dire, avec la marque. Et puis là, je trouve que leurs produits sont super, après c'est un peu cher. Donc, comme l'esprit de ma chaîne, c'est de vous trouver aussi des dupes, mais forcément, j'y essaye de trouver des choses moins chères qui peuvent correspondre. Donc c'est aussi en testant les produits un peu chers que je vais pouvoir vous trouver des dupes intéressantes. Bref, donc voilà, et le dernier truc, ben vous allez rigoler. Franchement, dites-moi si ça vous plaît, parce que je sois pas toute seule dans mon délire un petit poney, je sais pas quoi. J'ai été sur le site de Colourpop tout à l'heure, ou non, hier, je crois. J'ai trop bugué. En fait, ils ont sorti une collection fraise. Mais genre, quand je vous dis une collection fraise, enfin, tout est autour de la fraise, mais genre tout, quoi. Et ça m'attire de fou, genre de fou, je trouve que c'est magnifique, j'adore, mais je suis une grosse gamine, hein. Franchement ça marche plein de balles. Si le truc il sent la fraise, je sais pas si ça va me plaire par contre, parce que ça fera trop gamin là pour le coup. Mais honnêtement, vraiment le visuel, je trouve ça génial. Donc à la base j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui m'intéresse? Alors, je dis, ouais, la palette elle est trop belle, je vous la mettrai par là. Donc la palette elle est trop belle. Après je regarde et je vois qu'ils ont vous savez des espèces de primer en fait un peu en compte-gouttes, et il y a un Strawberry Face Milk, donc une primer un peu lait, un peu laiteuse et tout. Je vois la compo, je vois l'huile de pépins de fraise, du lait d'amande, du marshmallow. Je te dis, ok les gars, vous m'avez complètement convaincu, c'est même pas la peine, ce truc là je le veux. Depuis le temps que je dis que je veux des trucs sur Colourpop et que je ne passe pas de commande, là je crois que je suis pas loin de craquer, de péter un câble. Et après je regarde les Strawberry Jelly, là les espèces d'ombre à paupières et tout, je vois des photos, mais c'est magnifique. Je vois qu'ensuite ils ont un face milk, mais ils ont aussi une version huile qui m'intéresse. Et bref, et donc en fait je me fais, oui bon bah t'as qu'à acheter le kit complet, voilà, donc il vaut 87$ quand même. Comme pas donné machin, mais là vous avez tout, vous avez la palette, vous avez le lait, vous avez la base, enfin l'huile, pardon, je vais y arriver, enfin l'huile en fait en base, vous avez les ombres solo, vous avez des blushs, vous avez des gloss. Bon, ça me plaît un peu moins, franchement si tu pouvais enlever les gloss ce serait pas plus mal. Et vous avez des sticks, donc je crois que ça doit être highlighter ou blush, mais j'étais là, mais ça c'est trop beau.
où je suis un peu neuneu avec ma petite collection fraise. Dites-moi que je suis pas toute seule, s'il vous plaît. Aidez-moi, rassurez-moi. En tout cas, voilà, cette wishlist, c'est terminé. Hein, voilà, sur une petite note fruitée. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, dites-moi, parce que, en fait, je trouve qu'il n'y a pas... La fille qui est pas... qui est jamais contente. Je trouve qu'il n'y a pas assez de nouveautés en ce moment-là. Genre, je vais sur Beauty Bay, je vais dire, je mets nouveau. Il n'y a pas de palette qui me fait... vibrer, je sais pas, j'arrive pas. Donc il y a plein d'autres trucs, donc c'est intéressant, donc j'arrive à faire des achats et tout. Mais je me dis, ah, il y a rien qui me... Voilà. Donc j'étais obligée d'aller chercher dans les produits qui allaient bientôt sortir ou qui venaient juste de sortir. Donc voilà, c'était juste le petit truc, je sais pas, ou alors c'est moi qui passe à côté. Donc voilà, donc en attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et en tout cas, on se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur. Salut !